Est-ce que Luminaire est un logiciel de retouche comme un autre logiciel C'est ce que nous allons voir juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur Luminaire AI, sur le cas Luminaire AI. Accusé, levez-vous alors, aujourd'hui, on va s'amuser ici, parce que bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à accuser et AI, c'est pour ça que je dis accusez, levez-vous, de rentrer dans des post-productions assez caricaturales. Je suis pas tout à fait d'accord sur ce sujet-là, je vais vous démontrer tout le contraire aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que j'avais fait il y a quelque temps une vidéo que vous avez appréciée, c'était la retouche efficace et abattable sur Luminare et je vous mets la petite étiquette en haut à droite, surtout allez la voir, ça va vraiment vous aider sur le post-traitement sur Luminar AI pour avoir une retouche, on va dire, contrôlée. Mais là, je voudrais aller plus dans le détail aujourd'hui. Alors bien sûr, avec Luminar AI, vous pouvez post-traiter des photos de manière traditionnelle. Ça, il n'y a aucun souci. Mais vous avez la possibilité aussi de faire du créatif. Ça, forcément, c'est son rôle également. Et il est facile de franchir la zone entre la zone traditionnelle et créative, bien sûr, en quelques secondes. Ça, on ne va pas se le cacher. Il est possible aussi de rentrer grâce à ce logiciel directement dans le créatif à partir du fichier RAW sans préalablement s'inquiéter de la phase de développement traditionnelle. C'est à dire qu'on va directement bourrer dans le, dans, dans le fichier RAW. On va lui donner l'aspect que l'on souhaite, bien sûr. Sans plus attendre, on va rentrer ici dans la démonstration. On va Partir sur un fichier RAW sur un RAF, d'accord Je tenais à vous dire que si vous êtes fougiste, maintenant vous pouvez passer dans Luminaria sur cette case-là de correction de distorsion automatique. Vous voyez que la distorsion a été rectifiée là ici. Bien sûr, si vous passez sur d'autres logiciels tierces pour vous faire un DNG avec application de la correction de distorsion automatique, n'appliquez pas cette coche, bien sûr. Alors, bon, c'est la première chose qu'on va faire ici. Euh le truc, bon, là, j'ai pris une longue exposition que j'ai réalisée avec un filtre lit, donc forcément bleuté. Donc, on va faire sauter cette colorimétrie bleue. Mais là, on va aller dans l'outil lumière. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a une interprétation du fichier raw, parce que je vous rappelle quand même que lorsque vous ouvrez un fichier raw dans n'importe quel logiciel de post-production, vous avez toujours le dématrissage qui aurait été fait. La seule différence que vous pouvez avoir entre les logiciels de post-production, c'est la, la façon dont il va dématrisser l'image et l'interprétation qu'il va vous donner par définition. Après vous pouvez modifier les profils DCP que vous voyez ici, retrouver certains profils bien sûr et certaines interprétations par rapport à votre fichier RAW bien sûr. Ici on va rentrer regarder sur un Adobe standard qui sera un petit peu moins généré en couleur juste comme ceci. Okay. déjà quand vous rentrez votre fichier RAW dans votre logiciel de post-production, vous avez déjà une interprétation de votre fichier RAW, d'accord, une première interprétation, que ce soit au niveau des couleurs, etc. Bien évidemment, si vous voulez vraiment voir la, avoir la tête d'un fichier RAW, bah, il vous suffit de vous rendre sur Fast Row Viewer, le, le logiciel que je vous avais dit la dernière fois là, la maison d'édition qui s'appelle Libro Products. Euh, un logiciel qui s'appelle Raw Digger, ça vous permet d'analyser vos fichiers RAW. Et là, vous verrez que vos fichiers RAW non dématricés, bah ça ressort pas grand-chose quoi. Et on doit forcément passer par la phase retouche. Vous avez la possibilité de faire aussi avec Darktable. Ici, par définition, on va essayer de lui donner l'aspect que l'on souhaite ici. Bon, là, on va prendre la balance des blancs, truc traditionnel. On va prendre un, un point plus ou moins neutre ici. Bon, je vous rappelle, quasiment identique entre le canal rouge, vert et bleu. On va prendre un, un point gris juste comme ceci. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Bon, là, ici, ce ne sera pas trop mal. Voilà. On fait une petite modification comme celle-ci. Et là, on va afficher l'écritage avec la touche J. Ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir un peu mes ombres. Voilà. Baisser un petit peu mes hautes lumières, tout doucement. Là, avec mon point blanc, je vais essayer de le booster au maximum que je le peux sans cramer. Bon, là, ici, à 53, il est évident qu'on crame. On va revenir un petit peu en arrière, voilà, juste comme ceci. Là, on est sur un résultat qui est pas trop mal. Bien sûr, après, ce qu'on peut faire, on peut aller tout simplement dans nos super contrastes, juste comme ceci, et apporter un petit peu de contraste, on va dire, dans nos zones d'ombre, juste comme ceci. Contraste de ton moyen. Hop, on peut l'apporter, juste comme cela. Si je fais ma petite différence, regardez entre le avant. Et le après, on a apporté cette petite correction sur toute l'image. Bon. On pourrait très bien rentrer dans l'outil lumière et déboucher quand même un petit peu plus les ombres. Voilà. Juste comme ceci. Et en rester sur ce résultat-là. Vous faites la différence avant-après. Bon, on a fait un petit développement, on va dire, assez sympa. Bon. On pourrait bien sûr s'en tenir là. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà le avant et le après. Bon, vous voyez que c'est pas surdéveloppé sans aucun problème. Bon, si vous voulez redescendre un petit peu votre lumière, par exemple ici, vous pouvez toujours le faire. Allez, au niveau des blancs, si vous voulez conserver un petit peu cette petite ambiance qu'on avait juste auparavant dans l'image ici, on peut toujours le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous restez un petit peu sur ce résultat-là. Et si vous faites la différence, regardez avant-après. On a ce truc-là. De toute façon, la scène que vous voyez lorsque vous prenez la photo, votre capteur n'a pas la capacité d'enregistrer la même plage dynamique que votre œil. Ça, c'est impossible. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est reproduire par mémoire ce que vous avez vu, justement, auparavant, le jour J. Okay c'est pour ça que, en photographie, c'est toujours une question d'interprétation. Je vous avais déjà fait, sur mon site internet, plusieurs formations. Hein. Vous avez la formation Processus Créatif, qui est juste ici, qui comprend pas mal de choses. Une formation de 3h30 avec des bonus, etc. J'avais fait aussi l'autre formation, Apprendre Photo de paysage sans prise de tête, où je vais vous donner quelques petits trucs justement par rapport à cela. Et vous avez bien évidemment la dernière formation qui est toujours en cours, le projet 2.0. Je vous donne aussi quelques ficelles, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les différents logiciels de post-production aussi également. Vous avez également tout ce qui est bonus, Pack de look pour Luminar 4. Vous avez aussi des luttes, vous avez également des fiches pratiques, vous avez également des packs de luminosité sur pour Luminar 4 ou au HDR 2019. On a bien sûr un pack de ciel ici. Bon, les luttes, comme vous le voyez là, des fiches, d'accord. Vous avez pas mal de choses, pas mal de ressources gratuites qui sont sur mon site internet, donc n'hésitez pas à les voir. Alors, on en revient un petit peu sur cette chose-là. On va enlever un peu les crétages. Si vous voulez ramener encore un petit peu de mordant sur votre image, hop, on pourrait rajouter, pourquoi pas, un petit peu de, de contraste intelligent sur l'ensemble ici d'image. Vous voyez, juste comme ceci. Faites la différence avant/après. Vous voyez, on a ce résultat-là. Voilà. Maintenant on va euh, rentrer dans le vif du sujet et on critique souvent luminaire de rentrer dans les caricatures mais vous voyez très bien que là ici bon avant après on rentre pas bien sûr dans une retouche caricaturale ça bien sûr si vous revenez aussi même en arrière avec votre curseur vous avez même la possibilité de régler de réguler ce que vous avez fait là d'accord bon, Maintenant, on ne va pas non plus accuser Luminar d'avoir la possibilité d'avoir différents outils que vous avez ici juste après dans le créatif qui vont vous permettre d'amener des choses un petit peu plus intéressantes au niveau de votre photo. On est ici sur cette photo-là. Si je vais dans le paysage, on reste toujours dans les outils essentiels. Je vais utiliser le curseur d'heure dorée, regardez, hop On va appliquer directement une heure dorée sur l'image, sur les parties qui sont les plus intéressantes ici, comme vous voyez ici. On peut même s'amuser à réduire un petit peu la brume. Voilà, juste comme ceci, ça nous donne directement cet aspect-là. Vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah, c'est trop saturé, ça va pas. Euh, Luminaria, il sature trop, etc. » Bon, on commence à en avoir marre de ces trucs-là. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez dans l'outil couleur. Boum, vous désaturez un petit peu l'ensemble de l'image. Hop, voilà, vous retrouvez l'aspect que vous le souhaitez. Si vous voulez retrouver un petit peu de, de, de couleur, vous jouez sur le, le curseur de vibrance qui, lui, va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Hop, faites la différence. Hop, sans la rectification couleur, avec la rectification outil couleur, outil couleur, on n'en parle plus au niveau des bleus si vous trouvez que c'est un petit peu trop bleu là bon c'est pareil, et vous désaturez le curseur au niveau des bleus. Voilà, et là vous retrouvez un aspect bleu comme ceci. Si vous voulez revenir un petit peu plus sur la saturation, vous venez là et vous avez ce résultat là. Lorsque vous avez des couleurs trop saturées, vous pouvez revenir sur l'outil, vous avez tous les trucs nécessaires qui sont là pour vous aider. Si vous voulez aller dans le comment dirais-je dans l'harmonie des couleurs, bon là c'est vrai, on va nous dire aussi un truc là ici, bon, je vais ouvrir tout. On va mettre de l'éclat, regardez l'affaire. Bon. Si je mets de l'éclat, forcément, ça va rajouter un petit peu plus de brillance au niveau de, des couleurs ici. Et forcément, ça va ramener de, de la couleur assez généreuse, comme vous voyez là. Ça peut être sympa aussi comme ça. On peut le laisser comme ceci. Vous allez me dire, ouais, mais regarde, les verts, c'est trop saturé, ça ne va pas. Par rapport au reste de l'image, ça ne va pas du tout. Hein. On... Avec l'harmonie des couleurs, ça ne fonctionne pas. Ben, si ça fonctionne, vous allez encore dans l'outil couleurs, encore une fois, vous allez sélectionner... Je le dis de, depuis pas mal de temps quand même, ça. La tonalité. Vous prenez le curseur des verts. Hop Vous modifiez la tonalité des verts et on n'en parle plus. C'est moins pétant au niveau des verts, vous voyez. Si je remets ici par définition. Ah, c'est trop vert. Ah, c'est trop vert. Ouais, bien sûr. Bah, vous descendez le curseur des verts. Ah, c'est moins vert. Ah, ouais, c'est moins vert. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez même aller au niveau de la saturation. Vous prenez le curseur des verts qui est ici. Vous désaturez un petit peu, pourquoi pas. Voilà. Et vous avez ce résultat-là vous avez toujours la possibilité même de regarder le avant et le après. Bon forcément le avant il y avait la petite dominante bleue avec le filtre lit et bon on était un petit peu dans l'ombre juste sur ces zones-là. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir un peu en arrière juste comme cela. Bon. Après, toujours pareil. Bon dans les outils créatifs proprement dit, on a la possibilité de jouer avec le virage partiel au niveau de la couleur, d'accord Injecter une couleur dans les ombres et injecter une couleur dans les hautes lumières, bah, on peut le faire là aussi, regardez. On va booster la saturation, on va sélectionner une des couleurs. Par exemple, euh, au niveau des ombres, on va lui mettre, allez, un petit truc comme ça. Tout de suite, ça rend un, un petit truc sympa, ouais. Faites la différence, regardez avant et après. Ça donne bien. Puis vous avez aussi un curseur d'équilibrage entre les ombres et la lumière. Les hautes lumières, par exemple, là ici, on pourrait peut-être réchauffer davantage et amener, aller un, un petit peu de jaune, juste comme ceci, voilà. Et après, vous pouvez rééquilibrer, vous pouvez sélectionner plus la couleur des ombres ou plus la couleur des, des hautes lumières, juste comme ceci, voilà. En l'occurrence, bon, on va le laisser comme cela. Et bien sûr, vous pouvez régler la saturation et la quantité. Hop, on peut la mettre à 100. Et là, vous allez me dire, ah, mais ça sature et tout ça. Mais on n'est pas obligé de le mettre à 100. On peut le mettre, regardez. Si vous voulez le mettre à 9, par exemple, vous pouvez toujours le mettre à 9. Ou à 18, un petit peu plus. C'est une question de dosage, en fait. C'est une question de dosage. Bon, là, je vais enlever la petite couleur que j'ai mise dans le virage. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Et là, on va un peu s'intéresser avec l'éclat. Bon, vous avez des réglages avancés. Pareil, même chose. On va booster ici l'éclat. On va utiliser le flou artistique, mais vous avez la possibilité d'utiliser l'éclat qui est un petit peu plus léger. L'effet horton qui est un petit peu plus prononcé, juste comme ceci. Vous en avez un deuxième, un léger, juste comme cela. Vous n'êtes pas obligé de monter la quantité à 47, ni à 100. Parce que si vous avez aussi des, cette quantité-là à 100, c'est un petit peu trop excessif. Bien sûr, vous pouvez régler aussi dans les réglages avancés ces curseurs qui sont là. Vous pouvez booster un petit peu plus le contraste. Vous pouvez baisser un peu plus la luminosité. Vous pouvez jouer avec l'adoucissement. Soit, vous voyez, aller plus par ici. D'accord Ou juste comme cela. Vous pouvez même jouer avec la chaleur. Vous voyez Et vous pouvez revenir, bien sûr, avec votre quantité, juste comme cela. Et faire votre réglage avec un seul curseur comme vous voyez ici. Si vous faites la différence avant après, vous voyez ça donne ce résultat là. Et après vous allez me dire "Ouais mais bon l'image entière, ça le fait pas ta 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 bon allez. Vous prenez un ajustement local, un petit pinceau avec un allez, l'adoucissement à fond, l'opacité bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre à fond, ben, vous le mettez par exemple à 21. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hop. On va rajouter un petit peu simplement d'éclat sur ces parties-là de l'image, mais avec une opacité de 21, d'accord Et vous voyez, si vous faites la différence là entre le avant et le après, vous voyez, on a appliqué un petit effet Horton juste comme ceci. Voilà, tout ça pour vous dire que vous avez la possibilité d'avoir tout le contrôle sur Luminaria et sans aucun souci. Okay. Jeter la pierre sur euh, ce logiciel-là en disant que ça fait des retouches caricaturales Non, je suis pas d'accord. Vous êtes derrière les commandes. Si vous souhaitez aller moins loin au niveau de vos retouches, vous avez la possibilité aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'éclat, Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce qui est outils créatifs. Vous pouvez vous en tenir aux outils de base, bien sûr. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez entrer dans le créatif directement ici, comme ceci, en utilisant les différents outils disponibles. Par exemple, ici, l'outil mat. Regardez, hop. On peut donner un côté un petit peu mat à la photo, juste comme ceci, en rajoutant un petit peu plus de fondu, vous voyez, juste comme cela. Et vous voyez qu'en quelques minutes, c'est fait. N'oubliez pas aussi que, bon, par rapport aux autres logiciels de post-production, Luminar AI, avec un seul curseur, il agit sur plusieurs facteurs, comme vous voyez ici. Là, vous avez la quantité de mat, mais bon, vous jouez sur le fondu, sur le contraste et l'éclat aussi en même temps. Sur le mystique, pareil, si vous allez sur le, le mystique, vous allez booster l'outil mystique juste un petit peu comme cela. Si vous allez ici, vous allez interagir, bon, vous voyez sur les ombres et le lissage en même temps, d'accord On pourrait très bien dégager un petit peu les ombres juste comme ceci. Et descendre un petit peu cela comme ça. Et vous avez ce résultat-là. Bon, on va jouer sur la saturation et la chaleur, rajoute un petit peu plus de chaleur. Si vous descendez bon, ce curseur, bon, on revient à zéro, mais si vous le montez, bien évidemment, vous allez jouer sur tous ces curseurs aussi. En même temps, cette quantité va avoir un référent aussi par rapport à toutes ces fonctions que vous avez là. Okay bien sûr, là, au niveau du mystique, je vais l'enlever. Au niveau du mat je vais l'enlever aussi. Donc, vous voyez un petit peu le, le résultat qu'on peut faire avec Luminaria. bon Là, ici, en l'occurrence, au niveau des bleus, si vous voulez encore modifier encore une fois les bleus, toujours les faire. Vous pouvez encore désaturer encore davantage ici, sans aucun souci. Revenir sur la luminance. Allez, hop, baisser la luminance, pourquoi pas Il donner un côté un petit peu plus sombre, juste comme ceci. Et vous avez ce résultat là. Si vous faites la différence, regardez avant après. Bon, vous avez ce résultat. Bien sûr, si au niveau des jaunes vous trouvez que c'est un petit peu trop, des oranges, des trucs comme ça, vous allez dans la saturation. Vous, vous simplement vous désaturez un peu. Regardez, juste comme cela. Et vous voyez, vous retrouvez ce truc ici. Vous avez la possibilité de tout faire avec Luminar De tout faire. Et même aujourd'hui, je ne suis pas rentré avec le, le, le masquage local. Vous avez encore des basiques ici, que vous pouvez jouer encore par-dessus le marché sur cette chose-là. Vous avez même la possibilité aussi de faire du comment dirais-je Du Dodge and Burn, la possibilité d'effacer des choses, etc. Donc vous avez la possibilité de tout faire. Même au niveau d'une vignette, vous pouvez appliquer une vignette, un vignettage ici, vous sélectionnez un sujet, pourquoi pas, juste là, vous baissez la quantité, voilà, la taille, vous mettez une progressivité, vous mettez même une petite lumière interne, et hop, vous remontez le tout, vous voyez, juste comme ceci, et vous avez ce résultat à peu près comme cela. Ok, bon, on va enlever la lumière interne peut-être. Voilà. Et revenir un peu légèrement sur le truc. Juste comme cela. Vous avez vraiment pas mal de possibilités avec ce logiciel-là. Voilà où je voulais en venir aujourd'hui. C'est sur le contrôle aussi des éditions, sur le, le contrôle des retouches. Ça vous de voir. Ça vous de voir maintenant ce que vous voulez faire avec votre photo. Là, avec Luminaria, vous avez un outil qui vous permet de rentrer plus rapidement dans la retouche. C'est-à-dire que si vous voulez faire un truc directement sur votre image... Bon, une fois que vous connaissez bien les outils de Luminaria, et que ce soit dans les outils de base, les créatifs, les portraits et les professionnels, je vous renvoie sur toutes les formations que j'ai faites sur Luminaria et même, même avant la 1.4. J'ai commencé à partir de la bêta jusque maintenant, jusque la 1.4. J'avais fait même les outils 1 à 1, d'accord Vous allez pouvoir retrouver un petit peu toutes ces fonctions explicitées une à une. Une fois que vous connaissez tout cela, bien sûr, vous allez aller très très vite. Après, je ne vous ai pas parlé des modèles, mais bon, regardez par exemple ici, je vais faire un rétablir à la version originale. Si j'en viens au modèle, là par exemple ici, j'ai mes achetés, d'accord, avec Water Vacation et tout ça. Bon, ici, c'est les modèles de Luminar X. Luminar X, chaque mois, vous avez des packs de modèles qui viennent s'ajouter, et vous avez aussi des packs de ciel. Là ici, en l'occurrence, pour cette photo, il me propose Water Vacation. C'est quelque chose de Luminar X, d'accord, c'est un des packs de modèles de Luminar X. On va aller sur celui-ci. Il me fait ces différentes propositions d'accord pour cette image-là. Bon, il y en a forcément qui vont fonctionner plus, il y en a qui vont fonctionner moins bien. Je vais prendre le dernier ici, pour vous montrer un petit peu ce, ce petit exemple-là. Vous avez toujours la possibilité de jouer forcément avec ce curseur qui est ici. Vous voyez, bon là par exemple, hop, je vais le mettre juste comme ceci. Si je fais la différence avant-après, bon, vous voyez que ça peut être pas mal. On peut déjà jouer sur ce truc-là. Je vais laisser ça à fond. Et je vais rentrer dans le menu édition. Bien sûr, ici, vous vous doutez bien, la première chose que je vais faire, c'est rectifier mon optique. Voilà. Juste comme ceci. On obtient ce résultat-là. Et vous voyez que vous avez déjà la première base. OK Première base d'édition qui n'est pas trop mal. Le truc qu'il faut savoir, c'est que vous avez directement les petits points qui ont été utilisés ici. D'accord De, de l'édition. D'accord. Mais vous avez la possibilité, bien sûr, de rectifier. Mais bien sûr, vous avez déjà tous les réglages qui sont pré-réglés dans, dans ce modèle, bien sûr. Et si vous voulez revenir par exemple sur la balance des blancs, bah vous revenez sur la balance des blancs. Juste comme ceci. Et vous avez ce résultat-là. Et hop, boum, bon, c'est fait, on va dire c'est fait on va dire, vous si vous trouvez qu'au niveau des couleurs, bon, au niveau de la saturation euh, au, niveau, au niveau de la tonalité des verts c'est un petit peu trop, vous revenez un peu en arrière, voilà juste comme ceci vous retrouvez cette colorimétrie comme cela voilà, au niveau des, des bleus la même chose si vous voulez hop désaturer encore plus les bleus davantage on peut le faire sans aucun souci baisser un peu la luminance voilà, on peut le faire il n'y a pas de problème là dessus et bien sûr, vous pouvez revenir encore en arrière avec votre curseur général. Juste comme cela. Et vous voyez que là, ça donne un petit aspect un peu plus léger aussi sur la retouche. Vous voyez En deux minutes, là, j'ai fait la retouche avec un modèle. Voilà. Je voulais vous donner des petites ficelles ici aujourd'hui. On va revenir bien sûr sur d'autres tutoriels sur Luminaria et d'autres logiciels de post-production. Là aujourd'hui, je voulais faire cet épisode assez particulier. Et demain. Épisode assez spécial. On arrive de, sur l'épisode 600 demain de la chaîne YouTube. Ça fait déjà quand même pas mal de contenu. Donc épisode 600 pour demain. Donc restez bien connectés sur la chaîne. On se retrouve demain. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche et nous, bon, on se retrouve dès demain pour un, un nouvel épisode encore sur le, la chaîne YouTube. C'était dit, allez, au revoir.